La mairie de Bastia est-elle dans le viseur de Jean-Martin Mondologne? Le leader de l'opposition à l'Assemblée de Corse est désormais installé à Bastia depuis un an en tant que proviseur du lycée Giogante. Il ne dément pas sa candidature, mais préfère garder la maîtrise du tempo. Comme toute candidature, d'abord on réfléchit à un projet, après on rassemble des hommes et après on désigne une tête de liste. Je crois que ce temps-là n'est pas encore abouti. Je crois qu'il y a une réflexion à nourrir autour de Bastia, il y a des générations à promouvoir. La question de la tête de liste viendra en son temps. Pourtant, selon nos informations, Jean-Martin Mondologne devrait bien mener une liste. Après avoir sondé plusieurs personnalités sans succès, il aurait désormais arrêté sa décision, annoncée à des proches. Un choix périlleux, car sans aucun ancrage bastiais, il pourrait en payer les frais. Mais Jean-Martin Mondologne peut-il pour autant faire l'impasse sur l'élection municipale, lui qui rêve de destinée régionale en 2021 ? À Bastia, la famille libérale partira donc divisée. Jean-Louis Milani, deuxième adjoint, devrait rempiler avec les nationalistes. Il ne veut plus que Bastia serve de marchepied à la droite. Au sein de cette droite bastienne, je représente un courant donc d'électeurs attachés à leur ville, voilà, et qui en ont eu marre à un moment donné, qu'on les considère comme des bouches-trous de la confection des listes régionales. Je n'ai jamais eu de contact avec M. Jean-Martin Mondologne. Il n'est pas bastiais. Ça s'explique peut-être. Bastia en 2020, ce serait sa troisième tentative municipale après deux échecs à Vescovato en 2001 et 2008. Lui qui ne compte aucune victoire sur son nom propre est à 51 ans à un tournant de sa carrière politique. Pari risqué, un faible score pourrait contrarier son destin régional. Nous n'avons ni conviction ni certitude sur ce... Thank you.